rencontré l'œuvre de René Maran quand j'étais encore au Sénégal. Donc, je devais être au collège ou au lycée parce que Batuala est l'un de ces textes qui sont restés dans l'histoire littéraire parce qu'ils étaient présentés comme précurseurs des auteurs de la négritude. Donc, lorsqu'on étudie la négritude, donc Senghor, César, Damas, ce grand mouvement de libération, de révolution contre les discriminations faites déjà aux personnes de population, aux personnes noires en France, à la fois politique, poétique, extrêmement fort. Lorsqu'on nous présentait ce mouvement littéraire et politique-là, on commençait toujours par ses origines. Et dans les origines, on citait parfois René Maran et on nous disait, il y a Batuala qui a été un violent texte contre le colonialisme. Et c'est comme ça que je l'ai connu, que je l'ai lu à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai rencontré René Maran, qui ne s'est jamais réclamé de la négritude, mais qui a été reconnu par les grands auteurs de la négritude comme l'une de leurs inspirations. C'est un roman que René Maran, auquel René Maran tenait beaucoup. Ce qui est paradoxal, c'est que René Maran considérait que Batuala, qui a eu le Goncourt donc en 1921, n'était pas son meilleur roman, et qu'il y avait dans son œuvre d'autres textes qui étaient un peu oubliés ou un peu ensevelis sous les autres livres, sous Batuala, pardon. Et donc, parmi ces autres types, il y a Un homme pareil aux autres, auquel Maran tenait beaucoup, parce qu'il pensait que c'était là qu'il était vraiment allé un peu plus loin dans un certain nombre de questions sur la déchirure existentielle, sur la difficulté à établir des relations entre les personnes de peau noire et les personnes de peau blanche. Donc, c'est vraiment une question existentielle, philosophique profonde qu'il a abordée là à travers la question de l'amour entre les personnes de race, entre guillemets, différentes. Et c'est un texte que j'aime beaucoup parce que il y a évidemment la dimension de l'amour, c'est un roman d'amour, mais c'est surtout un roman extrêmement fort sur le plan de l'analyse psychologique et sociologique des relations entre les races, ce qu'on appelait vraiment, parce qu'à l'époque c'est vraiment les races au sens biologique du terme. Et il en fait une analyse extrêmement fine dans une écriture qui est à la fois très poétique mais aussi très précise. René Maran a un double héritage qui est celui du romantisme et celui d'un certain réalisme. Il se réclamait par exemple de quelqu'un comme André Gide, et ça donne déjà une idée des auteurs littéraires qui étaient les siennes. C'est d'abord un très beau romancier, il faut le rappeler, qui a construit là une formidable histoire avec toute une tension psychologique parce qu'on se demande finalement ça va se terminer, s'il va franchir cette ligne qui est une ligne de feu, une ligne de couleur extrêmement difficile qui pèse sur la conscience du narrateur. On se demande s'il va finalement la franchir pour aller et avoir le courage d'aller vers l'amour qui lui ouvre les bras et qui lui est proposé par ce personnage de Marielle, qui est son André Marielle, qui est la femme dont il est amoureux, mais qu'il n'ose pas aimer finalement parce qu'il se dit que la société l'empêche, lui, Jean Veneuse, le protagoniste principal, qui est en noir, d'aimer cette femme qui est une femme blanche. Je crois que c'est une leçon pour notre temps, en effet, parce que précisément, cela, c'est un texte sur l'amour. Vraiment, au fond, c'est un roman d'amour et un roman de libération à travers l'amour. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement qu'il faut évidemment échapper au piège du discours racial, au piège du discours qui ne s'appuie que sur des couleurs de peau qui ne sont que des accidents biologiques. C'est le hasard de la biologie qui fait qu'on est noir ou blanc. Voilà. Personne ne peut le décider. Mais ce que l'on peut faire par l'amour, par le dialogue donc, par le fait par la tolérance, ça c'est un message je pense qui est fort pour notre époque. Et ça ne veut pas dire que les problèmes n'existent évidemment pas. Et ça il faut le rappeler, il y a encore du racisme, il y a encore des comportements qui sont complètement infamants et complètement
à l'encontre des valeurs de fraternité, mais avoir conscience de cela, c'est aussi se dire qu'il faut tenter de dépasser les discours qui seraient des discours comme ça, d'infériorisation ou de hiérarchisation, en même temps que les discours de colère ou d'amertume qui pourraient conduire à ne voir en l'autre, c'est-à-dire l'autre avec un grand A, qu'un ennemi ou quelqu'un qui n'a pas de raison d'être en réalité. Donc dans ce sens-là, c'est un roman très complexe qui éclaire beaucoup de questions d'actualité, mais à travers une vraie histoire romanesque et une vraie histoire, oui, d'amour. Et je suis très heureux que les éditions du Typhon aient songé à rééditer ce texte-là, qui me semble être l'un des meilleurs de René Maran.